la décision qu'il ne prend pas au cabinet le vendredi passé. Moi, je pensais qu'il a plus bon que le gouvernement régule sa secteur-là en sa globalité. Je peux essayer de résoudre le problème en petit morceau. Nous ne pouvons pas comprendre comment les fines donnent une compensation de 157 rupies par tonne canne. Et comment ça lui peut arriver que tout va planter 1500 rupies pour une tonne canne. Parce qu'il y a différentes extractions. Il y a un paquet de formules qui rentrent là-dedans. Il ne pas quoi il peut arriver jusqu'à 1500. Pour nous, nous demandons qu'il toujours tient good, qu'il nous finisse le gouvernement, les bizarres, s'ils travaillent un siffle de 2500 rupies par tonne canne à tout va planter. Ça qui bizarre faire. Parce qu'il fait un petit bout de dose qu'il lui peut donner. Il va dire un petit panadol, ça. Il pas vous guérir maladie, là. Il peut continuer tout les bonnes plantes. Et pareil, comment il finit faire dans le passé. Avec ban coût de production, avec ban problème main-d'œuvre qui est, non, tout ça peut accumuler, peut aller, hein. Et le peut trouver ban abandonnement, terrain, plantation, canne à Maurice. Il arrive high time. Qui gouvernement assisé et une fois pour tout régler ce problème-là. Nous nous envie une solution permanente et aussi qu'il est soutenable, sustainable, qui plantait là, continuer planter dans l'avenir. Sinon, il peut continuer à abandonner et ça, c'est pas une solution à problème. Quoi qu'il y a, donne un petit soulagement pour une désert, pour pas malade, qui va planter, non, concernant le canne. Alors voilà, nous, au niveau de l'association, nous toujours croire, et nous pouvons la guerre, nous pouvons insister que le gouvernement a besoin de faire une démarche pour assiser et discuter tous les stakeholders et arriver à une conclusion. Et pour nous, nous demandons ces 2500 roupies par tonne, canne et non pas 1500. Il y a encore trop loin pour y aller là. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas résoudre ce problème-là dans sa globalité. Parce que ce qui pèse le gouvernement, il vous prend l'argent, et puis dans la caisse publique, il vous paye planter. Ce qu'ils amènent, nous demandons. Prix canne, il y a une valeur canne, il y a une valeur. Alors, il y a une valeur canne, la vente canne, tout ce qui lui permet, il y a prendre l'argent, à une planter. Et est-ce qu'il peut-être a l'intention de rentrer en contact avec quelqu'un du gouvernement pour demande de revoir sa décision-là? Ah, définitivement, nous avons une rencontre cette semaine-là, et nous vous prenons ça, toutes ces bonnes issues-là, issues SIFB, et puis issues décision gouvernement, et nous pouvons envoyer une lettre assez fort pour la fin de l'année.